Dissiper tout malentendu dans la gestion de la GECAMINE. Voilà l'objet de cette visite conduite par Albert Yuma, PCA de la GECAMINE, qu'accompagnait l'ADG Kalej Nkand et le délégué syndical auprès du président de l'Assemblée nationale, Obeminako, en sa résidence ce matin. Le PCA Yuma a démontré au président de l'Assemblée nationale que la GECAMINE est aujourd'hui en pleine croissance. Même exercice auprès du président du Sénat. Léon Kingo-Wadondo a d'ailleurs apporté tout son soutien au programme de relance de la GECAMINE, grand contributeur dans les budgets de l'État. Le nouveau conseil d'administration n'a signé aucun nouveau contrat. Nous avons hérité de ce dossier. Ce n'est pas la GECAMINE qui est le partenaire du Fonds monétaire. Je pense que ce n'est pas à moi de gérer les relations avec le FMI, les décisions, mais au niveau de la GECAMINE, nous avons donné toute l'information et la bonne information. Relève de ces ruines et c'est le fruit d'un effort soutenu de ses dirigeants et de tout le personnel qui a adhéré à la vision. Je vais indiquer que pour cette année, la GECAMINE a contribué pour près de 207 millions de dollars avec son niveau actuel de production qui est en pleine croissance. Il faut rappeler ici que depuis plusieurs années, la production de la GECAMINE n'a jamais franchi le cap de 20 000 tonnes. Et cette année, conformément à notre plan stratégique qui prévoyait 35 000 tonnes cette année, nous allons les atteindre. Ça fait longtemps, plus de 20 ans, que la GECAMINE ne se redressait pas. Et on allait tout droit vers la liquidation. Et nous avons vécu le renouveau maintenant. Si vous passez en marché, vous verrez que nos usines qui étaient dans un état obsolète, maintenant, il commence à avoir peau neuve. Et le comité de gestion reste déterminé dans son programme des réunions.